Bonjour, bonjour. Bienvenue au restaurant La Fin du Monde pour le mois de novembre. Aujourd'hui, on a décidé qu'on faisait une pizza. La croûte et tout. Fait qu'on vous montre ça, comment faire ça. Puis, c'est juste ici que ça se passe. Venez-vous-en avec moi. Bon. On est ici, on est rendu. Bienvenue. Donc, je vous donne la recette pour la croûte à pizza, pour la pâte à pizza. OK, on l'écrira pas sur le web, je vous l'ai dit. Prenez votre papier et crayon. Donc, bien sûr, ça nous prend de la farine. On a du sel ici, de l'huile d'olive, de l'eau tiède et puis, bien sûr, de la levure active. OK? Malheureusement, ça n'existe pas de bio, en tout cas, j'en connais pas. Donc, on utilise cette bonne InstaFirm, mais c'est fait au Québec, au moins. Donc, de l'eau tiède, OK? Absolument. Pas chaude, pas froide. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? C'est qu'on dissout. On dissout notre levure dans l'eau. OK? Par contre, donc c'est ça, pour la dissoudre, ça prend de l'eau tiède absolument. Ça se dissout très mal dans l'eau froide. Et puis dans l'eau chaude, vous allez tuer votre levure. La levure, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Par contre, pour que notre levure fonctionne, il faut la nourrir. On la nourrit avec quoi? Avec du sucre. Donc, j'ai une tasse et demie d'eau tiède ici dans mon petit plat. J'ai une demi-cuillerée à thé de sucre que je mets ici. On délaye le tout. Excusez-moi le doigt, mais ça va super bien. Pourquoi? Parce que la petite cuillère, on en a besoin après. Il faut vraiment que votre sucre soit très, très bien dissous pour pouvoir nourrir la levure. Maintenant, la même demi-cuillerée à thé. Cuillerée à thé et non à table. Et voilà, je verse, on mélange un peu. C'est ça que ça a l'air ici. OK. Maintenant, faut que notre levure se dissoude et prenne action. OK. Comment on sait si elle est activée ou si elle est active ou si elle est prête pour mettre avec le reste? Eh bien, ça fait de la petit peu de mousse sur le dessus. OK. Ça fait environ 2-3 minutes et puis le tour est joué. La levure se nourrit du sucre et l'action se fait. Donc, vous voyez ce que je vous disais, la petite mousse sur le dessus. Notre levure est bien active. Ici, on a 3 tasses de farine tout usage, non blanchie bio bien sûr. Une demi-cuillerée à thé de sel qu'on ajoute à notre farine. Et voilà, petite fontaine. On brasse un peu ici. On vide au milieu. On ajoute de l'huile d'olive. Ici, je vous dirais 2-3 cuillères à table d'huile d'olive. Et puis, on mélange le tout. Il n'y a pas de secret au mélangeage. On fait ça avec les doigts, bien sûr. Que je ne voyais pas faire ça avec une cuillère. Tout autre instrument. Bon, maintenant, vous allez voir la consistance de votre pâte. Vous voyez, j'avais peut-être un petit peu plus d'eau que je vous ai dit. Il n'y a pas de problème. On réajuste le tout. N'inquiétez-vous pas, je reviens. Et voilà, un petit peu de farine là-dedans. Encore là, une preuve que je ne suis pas bon avec les recettes. Toujours cuisiner à l'œil. Et voilà, c'est la consistance qu'on veut. La pâte se décolle des côtés. Mais elle reste bien poignée après votre main. Ça, c'est un bon signe. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Il faut la pétrir un peu, la laisser lever. Et puis, ensuite,
on la roule et on la précuit. Je vous reviens dans quelques instants. Donc, les mains propres, on enlève notre bol de là et puis on pétrit. Quand on pétrit, on donne toujours un quart de tour. C'est important pour développer le gluten, faire une belle pâte. Ça sera vraiment pas la même chose si vous faites pas ça. Vous allez voir que votre pâte va arrêter de coller éventuellement. Vous pouvez mettre de l'huile sur la table. Et voilà. Donc, maintenant, notre pâte est pétrie. OK? Tout ce qui reste à faire, c'est la faire lever. Comment on fait ça? Ça se fait tout seul. Tout ce que ça prend, c'est un endroit où il n'y a pas de courant d'air et où c'est assez chaud. OK? Près d'une source de chaleur. Pas dans le four, ça c'est pas bon. Ça va cuire. OK? Pas une source de chaleur directe, mais un endroit comme au-dessus du frigidaire parce que le compresseur dégage la chaleur ou près du poêle si le poêle est allumé. OK? Ce qui est important, c'est qu'on recouvre le tout. Et puis, on laisse lever doublé de volume environ. OK? Donc, une fois que c'est levé, on roule, on pétrit encore et on roule. Je vous reviens. Voici notre pâte qui a levé. Maintenant, on va la pétrir encore un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez la laisser dans le bol. Là. Il n'y aura pas de problème avec ça. On repétrit un peu. Ah! Belle élasticité! Ça, ça va vous donner à peu près 3 boules environ. OK? Un petit peu d'huile dans les mains. Nous, on la fait à l'huile, pas à la farine. On se fait une belle boule qu'on prend, qu'on roule comme il faut, environ 200-250 grammes pour donner qu'est-ce que... pour donner une pizza environ 9 à 10 pouces. Là, vous les faites comme vous voulez. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de toutes les rouler. De toute façon, moi, je les précuis toujours. C'est beaucoup plus facile à travailler. Ça devient moins mochi. OK? Donc, ce que je vous propose, c'est faites-vous une double, une triple batch. Faites-les cuire. Cuites-les. Hey boy! Où sort mon français? Faites-les cuire et puis emballez dans le saran wrap au congélo, ça se garde super bien. Puis comme ça, ben, on a des croûtes à pizza de prête d'avance. On arrive à la maison, ça prend littéralement 2 minutes à dégeler. Puis on met nos ingrédients dessus et bingo! C'est beaucoup mieux que pizza ou quoi que ce soit. Donc, ici, on la travaille. Ce qui est important, c'est que si vous voulez une croûte ronde, votre pâte que vous allez rouler doit être ronde. OK? On y va également. Un côté, de l'autre, un côté, de l'autre. Jusqu'à temps que vous ayez la grandeur, l'épaisseur. Comme vous voyez ici, l'épaisseur, c'est environ un quart de pouce. OK? Prenez votre plaque et puis vous la mettez dessus comme ça sans farine. Vous la prenez délicatement. Vous pouvez la remouler plus ou moins sur votre plaque. Et puis on fait cuire environ une dizaine de minutes. Okay? Si vous voyez qu'il y a des endroits qui sont dans la pâte qui sont un peu plus foncés que d'autres, c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait cuite. C'est ce que vous voulez. Okay? Vous ne voulez pas qu'elle soit bronzée ou quoi que ce soit. Vous voulez être capable de la prendre dans vos mains. Okay? On s'en va en avant. Donc, c'est ça. Ici, là, ça va vous donner 3 bonnes pizzas. Okay? Vous pouvez séparer votre recette en 3. Et puis, on s'en va précuire ça à l'avant. La touche finale à l'avant. Donc, et voici le résultat. Notre pâte à pizza qui est pré-cuite.
fret à l'emploi. Ici, je vais changer de tôle. Ça, c'est une tôle pour les pizzas. Ça fait que la croûte, il y a moins de chaleur sur la croûte, donc elle ne durcit pas. Attention, c'est chaud. Oh. Donc, c'est ça que je vous disais. On fait précuire les pâtes, les croûtes à l'avance, OK? Comme ça, ça absorbe moins notre sauce. Donc, nous voici avec l'essentiel de notre recette qui est faite, la croûte. Maintenant, vous prenez votre meilleure sauce tomate ou à pizza. La meilleure que vous pouvez faire, là. Votre belle-mère s'en vient, votre beau-père s'en vient, là. La première fois, il faut les impressionner. De l'ail, vous pouvez mettre, c'est sûr, plein d'herbes, vinaigre balsamique, et voilà. Donc maintenant, notre pâte, elle supporte bien notre sauce, et puis ça ne deviendra pas tout mushy, excusez-moi le terme. La suite, ça, c'est juste votre imagination, une pizza. Les seuls conseils que je peux vous donner, OK? Ici, on vous fait aujourd'hui pizza aubergine, légumes grillés, trois fromages, suisse, cheddar et mozzarella, et puis chèvre, OK? Comme vous voyez ici, mes légumes sont cuits à l'avance. Pourquoi? OK? Excusez-moi, là, mais il n'y a rien de pire que d'avoir une pizza de chez Machin du coin, Petit Joe Pizza, avec nos 5 crèmes d'oignons, les olives, les tomates, puis tout le kit en dessous du fromage. Puis là, toute l'eau se dégage, puis que c'est bon avec la sauce, puis la pâte pas cuite. OK? C'est pour ça que moi, je pré-cuis ma pâte avant, on met la sauce, mes légumes sont sautés, OK? Ils sont encore croustillants, mais ils sont cuits. Vous voyez ici, j'ai des aubergines marinées dans le pesto. Ensuite, j'ai fait mariner des oignons rouges avec ail, herbe, vinaigre balsamique. J'ai sauté mes oignons. Ensuite, j'ai tout fait mariner mes légumes ensemble. J'ai sauté le tout. Non, c'est pas vrai, je les ai pas sautés. Ceux-là, je les ai braisés au four. OK, on enlève bien la marinade pour pas que ça bouille. Tout ce qu'on veut, c'est marquer les légumes au four. On les braise, donc braiser, c'est pas longtemps. On les marque, puis après ça, c'est fini. OK, ici, des fois, on a trop dans notre panne, fait qu'on passe le chalumeau à crème brûlée dessus, puis on donne une petite dorure sur les côtés, ou ce qui en manque. OK? Fait que c'est ça qui est important. Vous pouvez les mettre crus si vous voulez. Moi, ça ne me fait rien. Rendu là, c'est vous qui décidez. Donc, ici, j'ai des aubergines tranchées très minces qui ont été marinées dans le pesto. Ben, en fait, c'est plus une vinaigrette au basilic. Donc, ici, mes aubergines sont cuites. Ils ne relâcheront pas d'eau. Okay? Ils ont été dégorgés, ils ont été marinés, ils ont été cuites. Il n'y aura pas d'eau qui va sortir de ces aubergines-là, croyez-moi, OK? C'est pour ça qu'elles sont en dessous. C'est la seule raison pourquoi elles sont en dessous. Je vous voyais, là. Vous pensiez que je me contredisais? Non. La seule affaire que je mets en dessous, c'est les aubergines. Et ou, si vous avez des épinards frais ou quelque chose comme ça, si on ne veut pas les cuire, ben on les met en dessous du fromage directement. Ça ne relâche pas d'eau. Votre croûte ne sera pas toute mouchi-mouchi, OK? Donc, mis mon fromage. À la limite, ici, comme nos légumes ils ont été cuits, il n'y a plus d'eau qui va ressortir de là. Il aurait pu être mis en dessous du fromage aussi. Bon, comme ça, on finit avec une belle tranche de chèvre. C'est du chèvre à croûte et non du chèvre tout crémeux. Pourquoi? Parce que celui à croûte, il va griller beaucoup mieux. OK? Vous voyez, c'est une belle pizza épaisse et tout. On envoie ça au four jusqu'à temps que le tout soit bien doré. Et puis après, on déguste. Yeah. Êtes-vous prêts? On s'en va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Oh yeah! Et voilà. Et voilà notre création de la journée.
nom. Il reste plus juste qu'à la couper et à la manger. Fait que c'est ça. Maintenant, vous avez le secret de base pour faire vos pâtes à pizza. Le reste, comme je vous dis, tant autant fromage que légumes, c'est à l'infini. Vous pouvez mettre des poires, tant qu'à moi. Vous pouvez mettre des pêches. En autant que je la mange pas, c'est bien correct. Et voilà. On se revoit le mois prochain pour... je pense qu'on va être rendu proche de Noël. Je pense que ça va être le temps... Le temps d'une tourtière. Fait que si vous voulez de la tourtière, soyez là le mois prochain. Moi, je vais y aller. Ciao!